Ça fait 3 jours que j'essaye de filmer cette vidéo. Ça fait 3 jours que je n'y arrive pas parce que mes voisins font trop de bruit. Le premier jour, il y a eu la tondeuse. Le deuxième jour, il y a eu la tondeuse. Ce matin, ce fut au tour de la débroussailleuse. Et puis maintenant, ça cause, ça cause, ça cause. Si encore il y avait que la journée qui faisait du bruit, or ce n'est pas le cas. Ils font aussi du bruit la nuit, quand les gens essayent de dormir. Les gens qui travaillent, qui payent des impôts, qui sont ensuite versés sur leur compte de RSA. Laissez les gens qui travaillent dormir. Allez chez vous, ils ont des appartements, ces gens, je comprends pas pourquoi. Ils se sentent obligés d'aller dehors pour faire plein de bordel où tout le monde peut les entendre. Je sais pas, moi on m'a appris, fais pas chier le monde, sois discrète. Ben, il paraît que les Français, c'est des gens discrets qui font pas de bruit. Ben c'est pas le cas, hein. Moi je vous le dis tout de suite. Bref, oui, c'est moi, c'est pas Yana, et puis oui, effectivement, aujourd'hui, je fais une vidéo en français parce que je vais parler de deux livres français. Si on peut avoir du silence pendant 2 secondes. Donc, on va parler de California Girls de Simon Liberati et La Tour abolie de Gérard Mordillat. Donc, je voulais parler de California Girls, c'est intéressant parce qu'il y a eu, enfin il y a un nouveau documentaire qui vient d'être fait, je crois, justement sur la famille Manson, avec des nouvelles images inédites et tout ça. Donc c'était, je crois, des images qui ont été filmées donc en 1969, au moment où il y avait encore la famille et qu'ils n'étaient pas encore passés devant les tribunaux. Et donc il y a un journaliste qui a filmé dans la famille et qui a fait un premier documentaire. Et aujourd'hui il y en a un autre donc, qui est repassé, qui a retrié les dossiers de films. Et donc qui a recréé un nouveau documentaire donc, avec des nouvelles images. Donc c'était des centaines d'heures de documentation à trier apparemment, ça a été un travail énorme. Donc oui, California Girls, ça parle de la famille Manson, au cas où vous n'auriez pas fait le rapprochement. Donc il s'agit d'un roman qui retrace la vie de la famille Manson à un moment très précis, le jour de la mort de Sharon Tate. Donc Sharon Tate qui était la femme de Roman Polanski à l'époque, le réalisateur. On peut la voir dans Le bal des vampires d'ailleurs, aux côtés de Roman Polanski. Si vous avez jamais vu ce film, vous le conseille fortement, c'est un film, enfin ça détruit un peu les clichés sur les vampires justement, c'est assez drôle. Et du coup, c'est au moment justement, c'est mon père qui m'a montré ce film et qui m'a dit, ben voilà, donc la super jolie fille, qui n'y a qu'une seule fille dans le film, c'est elle. Et donc voilà, elle a été tuée par la famille Manson. Et ouais, c'est un peu triste. Donc le livre retrace 2 jours, 36 heures, un petit peu plus de 2 jours, 2 jours et demi, au sein de la famille Manson. Donc on a un peu tout, hein. On a la vie de tous les jours avec les filles, les personnes qui fréquentent la famille. Et donc on mange, on danse, on fait la fête, et puis on essaie de recruter, parce que forcément il s'agit d'une secte, hein, il faut recruter des nouveaux membres. Et donc on a aussi cette fameuse notion du helter-skelter, donc cette espèce de fin du monde annoncée par Manson, où la famille renaîtra des cendres, et donc pour en arriver là, faut commencer par tuer des gens et essayer de faire passer ça pour des crimes commis par des noirs. Ça n'a pas marché, donc la famille a bien évidemment été traduite en justice, et Manson et les filles sont allées en prison. Je crois qu'il y en a certaines qui sont encore derrière les barreaux d'ailleurs. Sortiront jamais.
Donc là, on a absolument tous les détails du meurtre de Sharon Tate. Donc, ouais, réalisme à l'appui, hein. Accrochez-vous. C'est toujours un petit peu étrange de lire ce genre de choses parce que, enfin, quand c'est grangé et que c'est de la fiction, je veux dire, c'est pas réel, mais alors que là, c'est quand même des meurtres qui ont réellement eu lieu et qui ont été recréés assez dramatiquement dans un roman. Et ça fait aussi mal au cœur pour, enfin pour les filles qu'ont commis ces actes, puisqu'elles étaient complètement, elles avaient le cerveau complètement lessivé par Charles Manson. Et puis c'était des enfants au final, elles avaient 16-18 ans, enfin c'était des ados, c'était des gamines qui ont été complètement manipulées au point de commettre des meurtres complètement atroces. Ça fait très très peur. La tour abolie de Gérard Mordia. Donc là, il s'agit bien d'une fiction, ce n'est pas réel, et pas une histoire d'horreur bien, bien gore. Donc la tour magistère avec ses 38 étages où tous les jours on prend du vent pour en faire des milliers d'euros. Et donc nous avons les patrons qui sont tout en haut de l'immeuble et avec leur gros salaire. C'est assez bien fait parce à chaque fois qu'on nous présente un personnage, en fait, on nous donne son salaire annuel. Donc par exemple on a le PDG qui voilà, donc c'est le PDG, il s'appelle je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, il s'appelle machin et il gagne 700 millions d'euros par mois. Combien il gagne? 700 000 euros par an plus bonus. Et à chaque fois qu'on nous présente un personnage, donc voilà, on nous donne son salaire annuel pour appuyer un peu le fait que ce soit des gens très riches et très importants. Donc on a ceux qui sont tout en haut, mais on a aussi ceux qui sont tout en bas dans les parkings de l'immeuble. Donc il y a des parkings au sous-sol et les parkings, ils sont squattés par des SDF. Et il y a même une hiérarchie selon les niveaux souterrains du parking. Donc ceux qui sont au plus haut niveau, c'est un peu ceux qui sont au de la pile des SDF. Et puis il y a ceux qui sont au dernier niveau, au plus bas du plus bas. Donc c'est ceux qui sont tout en bas de la pile. Et les SDF, du coup, ils dépendent du self, hein, des poubelles du self, pour avoir à manger. Donc tout ce qui est jeté par les gens qui mangent au self dans l'immeuble, donc ça se retrouve chez eux dans les poubelles au sous-sol, et c'est comme ça qu'ils mangent. Donc ils dépendent de ça pour vivre. Sauf que, bah, un jour, les patrons, ils décident de fermer le self. Donc l'idée, c'est de récupérer un peu d'argent, parce que bon, avoir un self, ça ne sert à rien. Les gens, ils peuvent très bien sortir, aller manger tout seul dans leur coin. Et puis aussi déloger un peu les SDF qui vivent dans le parking, parce que ben, s'ils ont plus rien à manger, ben, forcément, ils vont pas rester là, n'est-ce pas? Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc on a un peu la théorie des 3 jours sans repas et c'est l'anarchie qui s'applique ici puisque les SDF forcément ils sont pas très contents de ne pas avoir à manger et ils se disent mais ces gens-là c'est des ils gagnent des millions par an, ils sont complètement alors qu'ils font pas grand-chose au final, hein. Ils font des réunions, ils poussent des papiers de trois à droite à gauche, alors que les SDF, ils ont la vie dure. Donc bah qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter dans l'immeuble, ils vont monter bah, pour se venger. Donc on a deux mondes complètement opposés qui vont du coup clasher complètement. Et c'est hyper bien fait, franchement, j'étais impressionnée parce qu'on a le monde très très snob, donc des patrons, des DG qui ont leurs chevaux, machin, leurs voitures, leurs trucs, leur appartement privé. Et puis on a les SDF qui ont un langage donc forcément très cru, avec une vie très rude. Et c'est hyper bien représenté. Donc voilà, c'était California Girls et la tour abolie que. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça très impressionnant. C'est hyper, hyper bien écrit. Et puis, enfin voilà, hein, faut lire, hein, tout simplement. Ça va toi? C'est dur? Hein?
c'est dur la vie, hein. Ouais, hein. Ouais. Moi, tout c'est à ta place là. Ce vieux chat va. Ouais, c'est ça, ouais.